vous alliez accueillir ma prochaine invitée, qui est une grande dame aussi, très très grande dame de la chanson. Vous voyez avec quelle délicatesse je monte l'escalier. Je pense qu'elle va apparaître là, juste en haut de cet escalier. Oui, la voilà. Ariel Dombal. Tu es somptueuse, Ariel. Sublime, magnifique. Bonsoir. Thank you, thank you. Oh, come bella. Grazie mille. Bellissima. Allora, italiano o espagnol? Beh, mexicaine un peu, mexicaine un petit peu. Sì, claro. Dis-moi, ton album Amor et Amor est un triomphe, hein? Oui. Un succès énorme. Oh, hein? Je suis heureuse. Ouais. Et il faut dire qu'il est absolument remarquable, absolument superbe. Et je l'ai acheté plusieurs fois moi-même. Ah bon? Oui. Pourquoi tu l'as perdu ou... Non, mais parce que je l'achète et je l'offre. Ah, ça c'est gentil. Et je le donne à tous mes amis. Ah. Voilà. Alors si tu veux bien m'accompagner en bas de cet escalier. Oui. Et tu vas chanter ta chanson. En bas, alors, voilà. Ah, yes, tu me quittes alors. Ciao, bah, oui. Bah, comment alors... ça se fait que tu me quittes comme ça? Tu sais, vois? Alors ça, je vais te dire. Alors, attention. Il paraît que pour descendre un escalier, il faut avoir l'air d'être immobile. Oui. Et que c'est l'escalier qui doit s'enrouler autour de nous. Exactement. On va super se casser la figure. Je ne sais pas si tu as le sentiment, on a une sorte d'intimité soudainement tous les deux, non? Ah oui, le fait de descendre un escalier. Voilà, ouais. Magnifique. C'est beau de descendre des escaliers. Bonsoir. C'est hollywoodien, parce que toi tu es hollywoodienne, je trouve. Tu es vraiment hollywoodienne. Merci. C'est magnifique. Tous ces musiciens, ces chœurs, ce public, c'est pour toi, Ariel. Et rien n'est trop beau pour toi. Grande émotion. 70 musiciens, c'est le grand luxe. C'est merveilleux. Voilà. On t'écoute dans Bésame Mucho. Si. Si. Okay, nos vamos, América Latina. Bravo. Adiós. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Thank you.
Ariel, viens. Gracias. Merci. Merci, bien, merci. Attention. Ces merveilleux musiciens. Quelle chance on a d'avoir cet orchestre. Sublime. C'est orchestre. Beau. Assieds-toi, Ariel, s'il te plaît. Oui. C'est une chanson très, très belle, très émouvante et qui te rapproche de ton Mexique natal, non? Oui, et puis la merveilleuse interprète mexicaine, celle qui a écrit cette belle musique, est morte la semaine dernière. C'est une exquise vieille dame qui s'appelait Consuelito Velázquez. Et cette musique a toujours inspiré plusieurs générations de chanteurs, parce que c'est la musique de l'amour, de la plainte, de la douleur. C'est en fait le ne me quitte pas mexicain. Exactement, et tu la chantes d'une manière absolument bouleversante, très très belle. Ariel Dombal, et merci. Tu la chantes avec cet orchestre qui est tellement superbe, tellement magnifique, les Night of the Proms, que je voudrais vous présenter en détail. Oui. Il y a 80 musiciens, il y a 50 choristes, mais j'aimerais vous dire qu'ils fêtent aujourd'hui leurs 20 ans cette année. Ils enchaînent les tournées triomphales dans le monde entier. C'est merveilleux. Et d'ailleurs, une tournée qu'ils vont faire en France. Oui. Ils ont émerveillé 5 millions de spectateurs. Ils ont joué avec les plus grands. Oui. Et le plus impressionnant est que chacun d'eux est un virtuose concentré de talent à lui tout seul. Mais auparavant, j'aimerais vous les présenter par groupe.